Pues muchas gracias, Anne, y muchas gracias al Instituto Francés por acogernos siempre de una forma tan profesional, tan cariñosa, y por hacernos sentir siempre como en casa, sino que se lo digan a Teresa. Y gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos hoy en esta jornada que hemos llamado Niños y Pantalla, Responsabilidad y Desafío. Espero que les guste y que estén cómodos. Ya ha presentado a nuestros ponentes, Hervé Tilly, Nadia Sugnalev, con quien además es compañera de batallas y de fatigas, porque hemos trabajado durante muchos años en Orange lanzando un montón de proyectos destinados a, sobre todo, a ayudar a las familias y a los padres, acompañarles para que sean guías digitales de sus hijos, y a Jesús, con quien trabajamos también hace un tiempo en un proyecto para nosotros emblemático que es Superprogramadores, que bueno, lo que intentaba o pretendía es que padres e hijos programaran juntos un videojuego en un lenguaje de programación llamado Scratch. Me alegra mucho que sigas ahí en el tajo y sigas ahí con la computación a muerte. Quiero, antes de empezar con el debate, poner en contexto el vídeo que hemos visto en la entrada. Este forma parte de una campaña que ha lanzado Orange en España, que se llama Por un solo de la tecnología, y que cada mes lanza un vídeo de una temática diferente: sexting, bullying, grooming, sobre todo para generar debate en el contexto familiar, para que los padres puedan abordar estos temas en casa con sus hijos. Yo creo que el debate va a ser muy interesante. Tenemos representantes de la administración pública francesa y española. En el caso del gobierno francés, yo creo que ha lanzado políticas públicas pioneras y también, por qué no decirlo, un poco polémicas en torno al uso sobre todo de los móviles en los colegios por parte del Estado español. Pues el INTEF está más destinado a la introducción de la tecnología en el aula y la formación de los profesores, y desde el punto de vista empresarial, pues como una empresa, como el Grupo Orange, como un operador de telecomunicaciones, afronta estos temas. Si os parece, vamos a dividir la hora y media que tenemos en dos partes. La primera parte, más de presentación de 15-20 minutos cada uno de vosotros de las iniciativas que tenéis en marcha, y luego ya la última media hora, tres cuartos, para generar un debate con el público fundamentalmente. Pero antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros para poner un poco en contexto, para entrar en faena. Vamos a empezar por Monsieur Tilly. ¿Hablas español? Sí. Ah, vale. Vale, yo creo que la pregunta además es obligada. Después de tres meses de la implantación de la ley que prohíbe el uso de los teléfonos móviles en los colegios para menores de 15, ¿qué balance haces? ¿Qué acogida ha tenido? ¿Cómo lo estáis implantando? ¿Cuál es el balance? Bueno, bonsoir a tous. Moi, je suis chargé de relations internationales européennes au ministère de l'Éducation nationale. Et d'abord dire. Que cette mesure, donc l'interdiction du portable dans les certains établissements scolaires, dans les établissements scolaires, ça a probablement été la mesure la plus médiatisée sur la planète. C'est-à-dire que notre ministre a coutume de le dire, M. Blanquer, il a fait la une du Times, il a fait de tous les grands journaux de la planète, tellement il s'était attaqué à quelque chose de compliqué. Et donc son idée à lui, c'était vraiment de s'attaquer avec courage à une situation qui ne le satisfaisait pas. Je ne sais pas si vous avez partagé cette expérience, mais en tout cas, moi je suis allé en vacances il n'y a pas très longtemps en Grèce, dans un pays cher à mon cœur, et en l'occurrence, je suis un jour sorti de l'hôtel, il y a une grande piscine, il y avait plein d'enfants, je me suis dit, oh là là, tous ces enfants, ils ont encore me saoulé. Non, ça ne m'a pas saoulé. Silence total. On était au bord de la piscine, il faisait 40 degrés, on aurait pu être dans l'eau, on aurait pu jouer, etc. Ils étaient tous sur leur petit écran, tous. Donc silence total autour de la piscine, et en fait, mon expérience est celle du ministre, bien entendu, il est parti de la même constatation. Il a dit, dans les cours de récréation, il faut que les enfants rejouent et ne s'enferment pas les uns sur les autres. Donc en fait, la législation, mais parce qu'on est en France, et que dès qu'on est en France, on prend des textes réglementaires. Mais la constatation initiale, c'est de dire, voilà, il y a une situation qui ne nous satisfait pas, parce que les enfants, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils échangent, il faut qu'ils s'agissent, il faut qu'ils
bouge, qui se fatigue aussi dans le cours de récréation. Et donc, par conséquent, il faut essayer de les désenfermer de ce processus, de ces écrans. Il n'y a pas de secret d'état derrière, mais moi je suis dans toutes les grandes réunions, ça a été un sujet compliqué, ça a été un sujet difficile, ça a demandé du courage au ministre, parce que quand on prend ce genre de mesures, il y a toute une série, évidemment, de considérations qu'il faut prendre en compte, à commencer par les considérations juridiques, pédagogiques, etc. Et donc ça a été une mesure qui a été prise avec courage, parce qu'on savait qu'on s'attaquait à quelque chose de compliqué, mais qui a été extrêmement pensée et qui a été pensée dans le bien, dans le sens du bien des enfants et du bien des élèves. Donc, il ne faut quand même jamais oublier que, alors je ne vais pas reprendre le texte de la loi qui a été prise, mais la loi n'interdit pas l'usage pédagogique, elle interdit juste l'usage des portables dans les cours de récréation dans les établissements, en insérant une distinction très claire entre le lycée et le collège. Au collège, effectivement, c'est interdit. Au lycée, c'est le règlement intérieur, parce qu'il y a un règlement intérieur au lycée qui peut le faire ou ne pas le faire. Donc, l'objectif, c'est évidemment de fonder cette interdiction sur des principes. L'usage est encadré. Il doit être relié à des objectifs pédagogiques précis. Il est encadré dans le temps et il passe en général par la formation des enseignants. Donc, ce qu'on a interdit, c'est évidemment l'usage gratuit, je dirais, de l'écran, mais pas évidemment l'usage pédagogique. Et je dirais même que dans certains cas, par exemple, dans le cas de ce qu'on appelle l'éducation inclusive, c'est-à-dire pour les élèves en situation de handicap, le numérique n'est évidemment pas interdit, il est central. Donc, forcément, on utilise ce point-là. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, parce qu'on aura peut-être l'occasion de y revenir. Il y a aussi l'éducation au numérique. Et donc l'idée, c'est quand même toujours pareil, et c'est l'idée de notre ministre, hein, il nous dit assez souvent, quand on est un être humain, on marche sur deux jambes, on marche à la fois sur les nouvelles technologies, la modernité, ça ne peut pas faire compte, mais on marche aussi avec l'humanisme, l'humanité, la tradition, et donc on doit marcher sur ces deux jambes. Et l'idée, c'est que globalement, on ne soit pas passif à l'égard des écrans, mais actif. Voilà, en très résumé, alors, pour répondre précisément à la question, est-ce qu'on a un retour? Pas encore, parce que c'est un peu tôt. Mais une chose est certaine, toute mesure dans notre ministère est de toute façon évaluée. Et nous avons un ministre qui, de toute façon, quand il prend comme ça beaucoup sur lui pour faire ce genre de réforme, demande des résultats. Donc, de toute façon, il faudra qu'il y ait des résultats. Bonjour. Non, mais c'est la prochaine. Voilà. Pues Jesús, seguimos contigo ya que estamos en el ámbito educativo. Pregunta un poco más filosófica. ¿Crees que es más fácil o más difícil educar en estos tiempos de Internet? Bueno, no sé si es más fácil o más difícil, pero yo creo que ahora mismo ser profesor es muy bonito. Es una época en la que las posibilidades que ofrece Internet transforman la formación de la profesión docente en algo muy bonito. Y yo creo que incluso que es más fácil que en otras épocas. Por tres factores que nos ofrece Internet, tres posibilidades. Por un lado, es evidente el acceso a la información para documentarte, para preparar tus clases. Por otro lado, conocer buenas prácticas y casos de éxito de otros docentes de cualquier parte del mundo que están haciendo cosas interesantes y que puedes integrar en tu práctica docente. Y por último, la posibilidad de embarcarte en proyectos colaborativos con tus alumnos, con tus estudiantes, con otros estudiantes de otras zonas de tu país o de otras zonas del mundo. Y esos tres factores hacen que bueno, las posibilidades de trabajo en el aula se multipliquen. Bueno, ya terminamos con Nadia. Nadia, ¿por qué una empresa como Orange se embarca en este tipo de iniciativas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿S'engage a ce genre de projet? De projet sur les usages. Alors, donc, je suis Nadia Jouravlev, je travaille chez Orange au niveau du groupe. Donc, Orange Group est installé à Paris, mais on s'occupe d'essayer d'initier des politiques et une vision commune pour le groupe dans toutes les filiales. Et effectivement, moi je suis à la RSE, qui veut dire la responsabilité sociale entreprise. Donc, oui, on a une responsabilité en tant qu'opérateur quand on met des services et des produits sur le marché. On a une responsabilité de prendre en compte l'usage
que fait la société de ses produits et de ses services. Et comme vous le savez, la technologie est allée très très vite, les usages, les comportements ont énormément changé. Avant, on avait tous le téléphone collé à l'oreille, maintenant on a le kit piéton, et puis on a une deuxième main, on a un téléphone qui est greffé à la main. Voilà, donc les usages ont changé, et les comportements aussi, donc on se doit effectivement de voir ce qu'on met sur le marché, quels services, c'est notre responsabilité. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des bons et des mauvais usages, parce que c'est allé tellement vite qu'on n'a pas le temps de digérer en fait tout ça. Aussi bien nous, les parents, que les enfants, si on va sur le thème qui va suivre. Et parfois, on compare un peu ce côté un peu négatif de la nouvelle technologie comme ce qu'on appelle en français la malbouffe, c'est-à-dire quand on mange mal. C'est-à-dire qu'effectivement, l'alimentation, c'est très bien, les technologies, c'est très bien, il y a plein de bonnes choses, mais si vous les utilisez mal, c'est comme si vous mangez mal. Eh bien, vous pouvez avoir du diabète, vous pouvez avoir du cholestérol, vous pouvez devenir gros. Et en fonction de votre âge, en fonction du fait que vous soyez un athlète ou plus vieux ou un bébé, ben, vous n'allez pas manger la même chose. Et en fait, effectivement, on commence à avoir vraiment une politique des nouvelles technologies qui soit adaptée à l'âge et à la demande et à l'évolution de la personne. Donc aujourd'hui chez Orange, on a créé dans mon département la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, donc pas mal d'outils pour pouvoir surveiller les usages. On a créé notamment un Digital Society Forum qui est un observatoire plutôt des impacts des nouvelles technologies sur la société. Alors là on parle de la santé, éventuellement des nouvelles technologies, mais c'est aussi l'impact des nouvelles technologies sur l'éducation, sur le travail, sur l'emploi, sur la démocratie, enfin, on traite tous ces sujets. Donc pour voir effectivement quels sont les changements qui arrivent avec ces nouvelles technologies et comment on peut rendre ces nouvelles technologies positives, c'est-à-dire s'en emparer et les rendre positives. Donc on favorise effectivement, on parle aujourd'hui chez Orange d'un usage positif des nouvelles technologies. Donc on cherche à informer toutes nos parties prenantes, à les informer et à les former. On regardera ça plus tard. Muy bien, pues ahora que hemos entrado ya en harina, si os parece entramos ya en detalle en vuestros proyectos. No sé por dónde empezar. Seguimos contigo, Nadia, ya que pues estupendo. ¿Je peux me lever? Oui, bien sûr. Ok. Ça sera plus facile. Alors, est-ce que c'est ça le premier ? Ça, c'est le premier. Voilà. Mieux vivre ces temps d'écran, c'est mon titre. Alors, donc on peut aller directement au premier slide. Voilà, alors, donc effectivement, donc là je vais parler des enfants et bien sûr des parents, parce que c'est fortement lié. La génération de nos enfants est une génération hyper connectée. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Je vais me concentrer sur les temps d'écran, hein. Pas sur le contenu des écrans, mais sur le temps d'écran. C'est aujourd'hui chez Orange notre principal sujet. On traite les autres depuis quelques années, mais celui qui est en train de grimper en flèche avec des alertes rouges par les psychologues, tout ça, c'est le temps d'écran. Donc je vais me concentrer sur ce sujet, si ça vous va. Donc effectivement, on constate qu'entre 12 et 17 ans, les enfants passent 3 heures par jour sur leur mobile, sans compter le temps cumulé, c'est-à-dire qu'il y a le mobile, après il y a la tablette, il y a la télévision, il y a les jeux sur PlayStation. Donc on n'a pas eu encore de retour sur le cumulé, mais on estime que ça peut monter entre 5 et 6 heures. Alors avec une moyenne, hein,
parce qu'effectivement, ils vont plus jouer le week-end que la semaine principale, on te voit. Donc l'âge moyen du premier téléphone, c'est 11 ans. Et alors, je ne sais pas si vous savez le nombre moyen, il est marqué là, le nombre moyen d'écrans qu'on a à la maison, mais c'est phénoménal, c'est 11 ans. 11 écrans dans une famille en moyenne. Donc, l'autre slide, à vous. Oh. Ah, c'est pas mon slide, ça. Donc, effectivement, 9 enfants sur 10 jouent aux jeux vidéo. Donc, il y a une grande partie des enfants qui regardent, bien sûr, des vidéos sur Internet. Donc, vous voyez, 72% des 4-14 ans, alors bon, c'est un peu grosso modo, mais regardent des vidéos sur Internet. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le schéma à côté. Je trouve ça assez intéressant parce que pourquoi les enfants regardent les écrans ? Alors, ce qui est intéressant, c'est entre 1 an et 6 ans, ils regardent ça pour s'occuper. C'est-à-dire que souvent, nous, les parents, je suis la première, j'ai 3 enfants, je me mets dans le lot. Eh bien, quand on a la cuisine à faire, quand on doit travailler sur notre ordinateur pour le travail, eh bien, on a du mal à laisser les enfants gambader autour de nous. Ils sont toujours en train de nous demander quelque chose et on va les mettre devant un écran. Donc, entre 1 et 6 ans, on les met devant les écrans pour les occuper. Après, entre 4 et 6 ans, ils commencent à se divertir, à nous demander de jouer, ils veulent se divertir avec les écrans. Après, entre 7 et 10 ans, ils continuent à se divertir, mais c'est aussi pour apprendre à découvrir. Et alors, entre 11 et 14 ans, là, c'est les amis. Donc là, c'est les réseaux sociaux avec les amis et c'est les jeux avec les amis. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, mais ils rentrent de l'école. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retrouvent tous leurs copains de classe sur les jeux vidéo. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant de voir pourquoi ils utilisent les écrans. Voilà. Alors, les parents sont dépassés. Ça, c'est un constat. Ils sont dépassés parce que la première chose, c'est que c'est la première fois que les rôles s'inversent. C'est-à-dire que c'est les enfants qui sont experts et nous qui sommes largués. Donc, une sorte d'autorité qui change, en fait. Donc, ils sont dépassés et ils sont préoccupés quand même. Parce que, ils sont préoccupés parce que d'abord, avant, les enfants, ils allaient dehors. On les voyait pas, ils pouvaient faire les bêtises dehors, on les voyait pas. Mais maintenant, les enfants, ils ne sortent plus, ils restent à la maison. Et en plus, ils sont devant leur écran et on ne sait pas ce qu'ils font. Et on a peur parfois d'aller les voir en se disant « Bon, il va m'envoyer baldinguer, il est en train de jouer avec ses copains » ou alors « Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait ». Voilà, donc les parents sont quand même préoccupés, mais ils sont un peu perdus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la partie éducative. C'est aujourd'hui, les parents, globalement, font confiance et sévissent après. C'est-à-dire qu'on a, tendance à faire confiance à nos enfants et à se mettre en colère une fois qu'ils ont fait la bêtise. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à notre mode éducatif, c'est-à-dire mettre des règles vraiment très très strictes avant. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet, les psychologues pourront en parler mieux que moi. Alors, les parents donc, se posent beaucoup de questions et demandent des repères éducatifs parce que, bien sûr, enfin, si vous faites partie de ma génération, moi, je n'avais pas de jeux vidéo, je n'avais pas de téléphone quand j'étais jeune, donc je ne sais pas vraiment si c'est bien, si c'est mal de laisser le téléphone à mes enfants, à mon fils de 6 ans, à ce qu'il faut que je laisse à mon fils de 6 ans les écrans et la même chose que mon fils de 12 ans ou que ma fille de 15 ans. Voilà, on est un peu largué, on ne sait pas trop. Et alors, ce qui se passe aussi, l'autre problème, c'est qu'on n'est pas exemplaire du tout. C'est-à-dire que souvent, on donne des recommandations à nos enfants, mais on ne les suit pas, on est compulsif. Dès qu'il y a un message, on va regarder qui nous a appelés, on finit notre travail à la maison, on est tout le temps sur les écrans, nous-mêmes à la maison. Donc on n'est pas exemplaire. Et puis il y a pas mal d'idées reçues voilà, qui se propagent, et donc ça n'améliore pas non plus la réputation des écrans.
Alors, et pourtant, les écrans, bon, les technologies sont venues pour nous aider. Donc, et elles ont plein de bonnes choses. Souvenez-vous, avant, ce que vous faisiez pas ou que vous faisiez moins bien quand vous n'aviez pas les écrans. Aujourd'hui, on trouve une recette rapidement, pas besoin d'aller chercher dans ses livres de cuisine. On se dispute plus avec son mari parce que tout de suite, on sait quand on est dans la voiture où est-ce qu'il faut aller, on ne cherche pas sur un plan. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui nous ont profité. Donc, et qui continuent à nous profiter. D'ailleurs, les nouvelles technologies sont là pour nous améliorer la vie, pas pour nous enquiquiner, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment réapprendre, en fait, ou apprendre à les utiliser. Donc, chez Orange, en fait, on a eu plusieurs réponses. Alors, la première, c'est qu'on a, effectivement, aussi parce qu'on est un opérateur et qu'on s'occupe de la santé depuis longtemps avec les ondes électromagnétiques, par exemple, mais on continue donc sur les nouvelles technologies et la santé, donc on relaie la parole d'experts. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'était pas forcément crédible en tant qu'opérateur pour parler de la santé et des nouvelles technologies. Donc, mais par contre, on est en première ligne, donc on est au courant, on suit tout ça, donc il faut relayer ce qu'on sait, ce que les psychologues disent, ce que les autorités sanitaires disent, tout ce qui est fait autour de ce sujet. Donc on relaie la parole d'experts sur tous les sujets qui sont liés à la santé au numérique. On répond aussi aux questions des parties prenantes donc sur l'impact du numérique et des usages sur la santé. Donc on leur répond avec des outils qu'on a créés, avec des forums pour les parents, avec des sites internet, avec des ateliers qu'on a créés, parce qu'on a décidé maintenant d'aller en capillarité dans les régions. Donc on crée des ateliers où on permet à toutes les personnes qui veulent venir, aussi bien des individus seuls que des entreprises ou des associations, de pouvoir échanger et trouver ensemble des solutions. La particularité, je dirais, quand même, de chez Orange aussi, je voulais préciser, c'est qu'on a beaucoup de sociologues. Depuis des années, on a un laboratoire de sociologues. Donc, on est vraiment à cheval sur les usages et on les suit de près. Donc, on partage quand on fait des ateliers en province. Alors, tout le monde ne le fait pas, hein. Ça dépend des pays. On fait venir des sociologues pour qu'ils fassent eux-mêmes une petite introduction ou qu'ils participent au débat. Et donc on essaie de donner à chacun les moyens de comprendre les changements induits par le numérique et d'en faire un élément de transformation positive. Voilà, donc ça c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est de faire de cette transformation une transformation positive. Alors on a fait plusieurs choses, alors toujours sur les temps d'écran, hein, on a fait plein de choses sur d'autres sujets, cyberbullying, sexting et tout ça, mais là c'est un sujet qui est en train de monter en flèche, donc là je peux vous présenter les outils qu'on a créés chez Orange sur ce thème-là. Alors, comme on n'est pas des experts du sujet des écrans, on a fait venir des psychologues, et on a travaillé avec une association qui s'appelle l'AFI, Association Française d'Intelligence Émotionnelle. Et cette association, parce qu'il y avait des psychologues espagnols, s'est rapprochée de la FAD, donc de l'Espagne, pour travailler avec des travaux de la FAD, parce que la FAD est énormément en avance sur le sujet de l'addiction ou de la dépendance aux écrans. C'est un sujet qui travaille depuis longtemps. Et donc, on a, eux-mêmes ont décidé de s'associer avec la FAD pour récupérer leur matériel. Ils font même des MOOC, en fait. Et on en a fait un livret. Et dans ce livret, ce qui est intéressant, c'est donc ils expliquent, en fait, l'usage normal, la surutilisation, la dépendance, très, très efficace. Alors, je dirais que c'est indispensable de se mettre sur ce type d'application hein, quand on n'arrive pas à gérer. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire de force. Hein, je vous parlerai des conseils qu'on donne après. C'est toujours le dialogue. Hein, on ne prend pas la décision tout seul. On dialogue parce que sinon, ça crée des crispations au sein de la famille. Alors, on a fait aussi une live box. La live box, pareil, vous pouvez dire, ben voilà, j'ai trois enfants. La plus grande, je vais lui laisser la Wi-Fi de telle heure à telle heure, le plus petit, pas de Wi-Fi,
et celui du milieu un peu moins que la plus grande. Voilà. Vous pouvez faire des plages horaires en fonction de vos enfants et les applications aussi. Donc bien sûr, il y a les contrôles parentaux qu'on met directement sur l'ordinateur. Et puis on a fait aussi, dans certains pays, un page-jeu famille. C'est une espèce de jeu genre les 7 familles pour expliquer les nouvelles technologies et comment mettre en place des règles. Alors, tous ces outils que je vous présente, il y a certains pays qui sont plus ou moins en avance sur les temps d'écran. Il y a des pays qui sont très en avance. Je pense que la France est assez en avance. La Pologne aussi s'intéresse beaucoup au sujet. L'Espagne aussi s'intéresse au sujet, mais il y a des pays qui, beaucoup moins. La Roumanie, ça commence tout doucement. Mais par contre, le livret que je vous ai montré tout à l'heure a eu beaucoup de succès. Ça, c'est le premier pas. Il a été traduit en 6 langues déjà, c'est le premier pas. Alors on est en train de faire aussi des ateliers en boutique, parce qu'en fait, pour sensibiliser les parents au temps d'écran, ou les grands-parents d'ailleurs, tous ceux qui veulent, on est en train de créer une formation en boutique en proposant 45 minutes par petit groupe de 5 ou 6. Et donc là, on explique un peu le contexte et on donne des clés pour faire face, en fait. On a des sites, donc là je vous présente le site de Bien Vivre Digital en France, mais toutes nos filiales ont un site pour les parents. Là, pas forcément sur tout le temps d'écran, mais concernant les autres sujets, par exemple le contenu, toutes les filiales ont un site pour les parents. Plus ou moins riche. On a un forum en France, un forum parents, c'est-à-dire que les parents peuvent se passer des idées, des astuces. Alors voilà, là je vais vous présenter une petite vidéo qui ne dure pas très longtemps. Quand je vous parlais de relayer la parole d'expert, sur certains sites, en filiale, on a des psychologues qui interviennent, ou d'autres, parce que bien sûr, ils sont plus crédibles que nous, Orange, pour parler de ce type de problème. Voilà, donc peut-être qu'on va pouvoir lancer la vidéo de cette psychologue qui parle pas que du temps d'écran, mais... Je crois qu'avant 5 ans, on peut dire que pas d'écran. À cet âge-là, les enfants ont besoin de développer leurs compétences sur d'autres modes, par exemple en manipulant, en sautant, en courant. Ça doit être vraiment quelques minutes occasionnellement, mais pas trop souvent. Et en plus, les dernières études ont montré aussi qu'au niveau de leur vision, les écrans, c'est pas génial. Les situations qui créent du conflit tournent souvent autour du temps passé, parce que les enfants ne voient pas le temps passer sur leurs écrans, d'ailleurs souvent les adultes non plus, il faut bien reconnaître, et du coup, les parents se battent pour raccourcir le temps d'utilisation des écrans. Pour les plus jeunes, avant 12-13 ans, je dirais aux parents, ne leur donnez pas de mobile pour qu'ils n'aient pas accès à Internet tout seuls. C'est pas raisonnable. Pour les plus grands, il y a des dialogues à entamer, des informations à leur donner sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on ne peut pas dire. Par exemple, je pense qu'il faut leur rappeler inlassablement que la pudeur et l'intimité sont des notions essentielles et que Internet n'est absolument pas un espace privé, par exemple. Que l'injure, c'est un délit, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Évidemment, oui, ça développe aussi chez eux des compétences que peut-être ils n'auraient pas développées par ailleurs. Ça aiguise leur curiosité. Ça peut être aussi très créatif parce que, par exemple, sur YouTube, ils
peuvent faire des vidéos, se mettre en scène, etc. Donc, évidemment que accès au numérique pour ces enfants et ces grands et ces adolescents, mais pour les petits sous grande vigilance et pour les grands avec quand même une éducation préalable. Les enfants qui jouent encore après avoir terminé leur jeu, je ne sais pas si vous en avez, mais à 12 ans, ils continuent dans la cour de récré à parler du Fortnite. Ça développe la dextérité, ça développe quand même pas mal de compétences et ils socialisent, ils jouent même parfois avec des joueurs à l'étranger, du coup ils se mettent à parler anglais, c'est assez marrant. Mais il faut être à côté, il faut savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire, donc voilà quelques conseils de bons usages que nous, dont on fait la promotion, c'est parlez-leur. C'est-à-dire, vous restez des parents, même si vous n'êtes pas expert, il faut savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire, il faut jouer avec eux, il faut connaître leurs copains, il faut savoir comment ils se parlent un peu sur Internet. Voilà, donc parlez-leur. Établissez aussi des règles familiales, donc des règles familiales qui peuvent être définir des zones de connexion dans le foyer, par exemple le salon, la salle à manger, et le moins possible la chambre. Éloignez les écrans du lit, parce que l'autre problème avec les écrans, c'est le sommeil. Et un enfant, vous allez voir, 90% des enfants, enfin des jeunes, entre 12 et... Dès qu'ils ont un portable, ils dorment à côté de leur téléphone. Comme nous, hein, peut-être. Mais effectivement, éloigner le téléphone du lit. Et adapter les temps d'écran en fonction de l'âge. Et voilà. Et si possible, si vous vous sentez perdu et que ça, le dialogue est compliqué, vous pouvez installer des outils de mesure des temps d'écran. Os he puesto algunas cifras de números de profesores, proyectos y centros escolares
que participan en toda Europa, también los de Francia, y no solo pretende el proyecto que con estos proyectos de colaboración se mejore el aprendizaje y se practiquen idiomas, sino también pretende que los estudiantes conozcan y entiendan otras culturas, ¿no? Y ese es el motivo de que no solo puedan participar centros europeos, sino de que en los últimos años se están también al norte de África y a otros países de otras regiones del mundo. Otro proyecto muy interesante, yo creo, que tenemos en el Ministerio de Educación tiene que ver con el fomento del aprendizaje móvil, y colaboramos con ello para este proyecto con Samsung, la empresa Samsung. El proyecto se llama Samsung Smart School. El objetivo del proyecto, el objetivo fundamental, era reducir la brecha digital en zonas que por diferentes motivos tenían una situación un poco complicada. Se basa en tres pilares fundamentalmente. Uno, se manda equipamiento a los centros educativos, se le manda teléfonos móviles, se le manda tablets, pantallas, proyectores para que puedan trabajar con la tecnología. Se da formación a los docentes, pero la formación no está centrada en cómo funciona el teléfono, cómo funciona la tablet, sino una formación metodológica, en qué posibilidades nos ofrece la tecnología para trabajar de una forma distinta en el aula, fundamentalmente fomentando metodologías activas, en las que el alumno es el protagonista. Y tenemos un aspecto muy importante, yo creo, lo decía el colega del Ministerio francés, todos los proyectos, todas las medidas hay que medirlas y saber si funcionan. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, y por eso un pilar fundamental de este programa y de todos los que hacemos es precisamente la investigación, medir el impacto verdadero que tiene el proyecto, ¿no? Y bueno, pues esta es la quinta edición del programa. Cada año hemos publicado un libro con los resultados, y lo que vemos es que, en efecto, la tecnología más la metodología, la formación al docente para que trabaje de otra forma del aula, tiene un impacto muy positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Mejora el ambiente de la clase, los alumnos se sienten más protagonistas, porque lo son, y eso hace que mejoren los resultados académicos. La verdad que este proyecto está teniendo mucho impacto, porque es la reina de España. Hemos recibido muchísimos premios, y bueno, en los próximos meses, ya os adelanto, que vais a hacer una campaña muy bonita para contar todos los resultados positivos que estamos teniendo con este proyecto. Y otra línea muy importante que para nosotros es la línea del pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una habilidad que permite a las personas resolver problemas aprovechando la potencia de los ordenadores. Y bueno, desde la Comisión Europea, desde muchísimos estamentos, se considera que es una habilidad que es fundamental para la vida del siglo XXI. Vamos a vivir rodeados de tecnología, pues queremos que nuestros estudiantes sean capaces de aprovecharla para resolver problemas. Esto se basa en la idea, para que lo entendáis bien, se basa en la idea de una frase de Rocher que decía en los años 60, decía que los ordenadores son muy rápidos, no se cansan nunca. Le dices que haga una tarea mil veces y la hace rapidísimo, sin error, y nunca se cansa. Pero sin embargo son estúpidos, en el sentido de que alguien le tiene que decir cómo tienen que resolver las tareas. Y sin embargo las personas somos todo lo contrario. Nos cansamos, nos aburrimos, queremos comer, queremos dormir, pero sin embargo las personas son brillantes. Las personas son bien, que se les ocurren ideas muy interesantes. Entonces, la combinación de la potencia de los ordenadores con la brillantez de las personas es una fuerza más allá de la imaginación, decía Rocher. Bueno, pues esto es un poco la idea del pensamiento computacional. Y desde el INTEF hemos puesto en marcha un proyecto que hemos llamado la Escuela de Pensamiento Computacional, que hemos lanzado ahora mismo, en el que van a participar 800 docentes de toda España, 16.000 alumnos aproximadamente. Tenemos diferentes proyectos para primaria, para secundaria, para bachillerato, en el que la programación tiene un papel protagonista. Y hay estudios que demuestran que los estudiantes jóvenes demuestran mayores niveles de placer cuando programan un videojuego suyo propio que cuando juegan a su videojuego favorito. Esto es lo que nosotros queremos conseguir. Que de las 3 horas que nos contaba Nadia que pasa un estudiante joven con su teléfono, no las pase viendo, jugando un videojuego que alguien ha creado o viendo un vídeo que alguien ha preparado, sino que las pase con el teléfono, pero haciendo otro tipo de cosas, cosas creativas, las que él se puede hacer. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de fomentar. Y queremos fomentar cosas, que en la escuela se trabajen cosas como estas que veis aquí, en las que incorporamos a la educación cosas como el aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio tiene que ver con aprender cosas haciendo al mismo tiempo un servicio a la comunidad. Les voy a poner aquí algunos ejemplos, os voy a mencionar algunos ejemplos, pero hay miles de ellos, de estudiantes jóvenes de todo el mundo, que a través de la programación de aplicaciones para dispositivos móviles
están aprendiendo un montón de cosas y al mismo tiempo están ofreciendo un servicio a la comunidad. Por ejemplo, la aplicación Hello Navy fue creada por ese grupo de niñas que veis ahí, que son de un instituto de Texas, en Estados Unidos, y llegó un compañero nuevo al instituto que era ciego. Y el chaval pues lo pasaba fatal, para no, cada vez que sonaba el timbre, para no poder ir de una clase a otra y tal. Entonces las compañeras programaron esta aplicación que ayuda a su compañero a moverse por el instituto, a navegar por el instituto sin tener tantos problemas, ¿no? La aplicación School Bus Locator es una aplicación de un chico de 12 años de India que, bueno, pues un día en la región donde vive hay muchas lluvias torrenciales, entonces un día que volvía del colegio en el autobús, con las lluvias, el autobús tardaba mucho, a lo mejor un par de horas en llegar a su casa, los padres se preocupan muchísimo. Entonces el chaval creó esta aplicación en la que los padres pueden saber en todo momento si el niño está en el autobús escolar, en qué punto está el autobús, si va a llegar a la hora, etcétera, etcétera. Y bueno, hay muchísimos ejemplos de este tipo, en los que los alumnos toman el protagonismo, pasan la acción y al mismo tiempo están aprendiendo y desarrollando multitud de capacidades y de habilidades, están además dando servicio a la comunidad. Y esto es básicamente lo que queremos fomentar desde el INDER. Traigo un vídeo, yo creo que me da tiempo a ponerlo, ¿no? Sí. Entonces, Carlos, si no te importa, podemos poner el vídeo, porque a veces cuando hablamos de programación y de robótica pensamos que la tecnología, estamos muy centrados en la tecnología y no es eso. La tecnología para nosotros es un medio para alcanzar, para desarrollar otras habilidades. Y en este vídeo vais a ver por una feria, os he dicho que hemos puesto en marcha la Escuela de Pensamiento Computacional, en la que trabajamos la robótica, esta es una feria que se hizo el año pasado, con el mismo programa que nosotros hemos puesto en marcha este año aquí en España. Y bueno, vais a ver, pues esta es la feria de muestras que se hizo en Valencia, y los alumnos llevaban allí los proyectos que habían estado trabajando todo el año. Y no vais a ver pocos robots y pocos, sino que a través de la tecnología los alumnos han creado cosas y expresan cosas que a ellos les interesan. Par conséquent, on a tendance à
considérer que ça renforce le rôle de l'éducation. C'est donc l'éducation, elle est là justement pour savoir si on utilise bien ou pas, pour donner des axes des axes de travail, pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et d'une certaine façon, l'éducation est là pour aider à ce discernement. Alors, sur le contexte général de la politique en France, notre premier souci, ça a d'abord été de protéger les enfants sur ce qui concerne les données. Je ne vais pas m'étendre longuement sur les questions générales, mais les données, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, un des premiers soucis du ministère de l'Éducation nationale, c'est de faire en sorte que toutes les données qui passent par les écrans et puis par les outils informatiques ne soient pas utilisées n'importe comment. Donc, un des premiers objectifs, ça a été ça. Ensuite, ça a été de développer les usages pédagogiques du numérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons des opérateurs qui, effectivement, on a essayé, plutôt que de faire chacun dans son coin de façon un petit peu empirique, on a essayé de réfléchir aux usages pédagogiques. Donc, par exemple, on a une plateforme qui s'appelle la plateforme Étincelle, qui est coproduite par notre ministère et le monde professionnel, et qui offre toute une série d'outils pédagogiques qui ont justement recours aux nouvelles technologies, des animations, des jeux sérieux, des simulations, etc. Le deuxième aspect qui était important pour nous, mon collègue l'a très bien dit, c'était la formation des enseignants. D'abord la formation des enseignants, puis ensuite la formation des élèves. La formation des enseignants, alors on est en France en ce moment en train de revoir complètement la formation des enseignants, et on va introduire ça beaucoup plus massivement, mais on a commencé par créer un dispositif de formation qui s'appelle Magistère, et qui est un dispositif de formation continue à distance ou hybride, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois le présentiel et le distanciel. Présentiel et à distance, en français. Et donc sur ces sujets-là, grâce à cette plateforme, on forme justement aux usages du numérique. Il y a un autre outil qui est utilisé, qui s'appelle PIC, qui est un outil d'auto-positionnement. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé aussi au ministère, qui permet de façon complètement autonome de se positionner pour savoir comment, en termes de maîtrise du numérique, on se situe bien, pas bien, enfin, en tout cas très compétent ou pas très compétent. Et donc la question des usages et de leur impact est forcément centrale. L'autre aspect, c'est évidemment de former les élèves à ces usages-là. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas avoir peur de la technologie, mais de se dire que c'est son cerveau qui maîtrise la technologie, c'est pas la technologie qui maîtrise le cerveau. Donc l'idée, c'est de donner aux élèves la possibilité de savoir exactement de quoi ils retournent, même techniquement, comment ça marche. On n'est pas obligé de savoir réparer un moteur diesel, mais c'est quand même toujours bien de savoir comment le moteur fonctionne et pourquoi ça avance. Donc, à la rentrée 2019, l'année prochaine, c'est le cours obligatoire commun de sciences numériques et technologies de 1h30 par semaine en seconde sera introduit en tant que science et un questionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'enseignement de la science, mais il y a tout le questionnement qui va avec, c'est-à-dire la place du numérique. Donc ça, après, c'est en seconde, en première, en terminale, on va le développer sur l'ensemble de la filière. Ensuite, on travaille un cadre de référence des compétences numériques. C'est-à-dire qu'effectivement, les numériques, les compétences, il faut travailler un cadre de référence, un petit peu comme un cadre de référence sur les langues, les biens, etc. On peut avoir aussi un cadre de référence sur les compétences numériques pour pouvoir les mesurer et faire du numérique, finalement, pas quelque chose qui flotte en l'air, mais une vraie compétence et quelque chose que l'on peut mesurer et évaluer. Ensuite, il y a aussi, et ça c'est assez important, parce que c'est beaucoup plus général, je ne vais pas trop développer, il y a rénover les relations avec les partenaires de l'école. Et à la fois l'école, bien sûr, il y a les élèves, il y a les parents, les collectivités territoriales, les acteurs de la EdTech. Alors j'utilise le terme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la EdTech, mais en tout cas tous les partenaires, à commencer par... tous nos partenaires. Et donc tout ça, ça doit, et c'est pour ça que c'était extrêmement intéressant aussi ce qui a été dit. On le pense ensemble et de façon collective, et pas chacun dans son coin. Donc si, après je veux résumer spécifiquement quoi, sur la question de la relation aux écrans dans l'éducation. Le principe général chez nous, au ministère de l'Éducation nationale, c'est celui du discernement. On revient toujours à cette question.
d'un usage qui est bien pensé et qui est aussi en fonction d'objectifs pédagogiques précis. Il ne s'agit pas après de nous d'intervenir dans la vie des gens, déjà sur les écoles. Donc, on essaie de différencier en fonction de l'âge. Ça, ce qui était très intéressant, c'était dans la psychologue, évidemment, la dame psychologue. Parce que ça, on voit bien que les usages du numérique, ben, ça ne doit pas être pris comme un gros bloc, il y a des âges, et qu'effectivement, on peut arriver à des vérités. Le problème, c'est que c'est un peu comme une anguille, numérique, c'est-à-dire qu'on essaie de l'attraper, on ne sait pas trop, puis on s'aperçoit quand on écoute les psychologues, quand on tient compte aussi des apports de la recherche, qu'on peut rationaliser, on peut avoir des comportements qui sont plus ou moins vertueux, on peut commencer grâce aux sciences cognitives. Alors c'est un des sujets essentiels des réformes de notre ministre. Il a deux grands piliers anti-réforme. Le premier, c'est les comparaisons internationales, c'est voir comment les autres travaillent. Évidemment, les pays européens les chefs et l'Espagne particulièrement, et par ailleurs l'apport des sciences cognitives sur le fonctionnement du cerveau, comment fonctionne le cerveau des jeunes, et tout ce qu'on peut faire. Donc il a même créé un conseil scientifique auprès de lui pour alimenter toute la réflexion pédagogique sur la psychologie. Et donc ça, pour nous, c'est l'apport des sciences cognitives, c'est extrêmement important. Bon, il y a bien sûr, parce que nous sommes français, il y a réglementé, parce que voilà, je vais revenir, c'est l'affaire du portable. Bon, là, nous réglementons, mais si nous réglementons, c'est qu'il y a des motivations. La motivation, c'est peut-être qu'on a tendance à on a fait le constat que vis-à-vis des autres, et peut-être quelque chose qui ne contribue pas à lutter contre les incivilités. Et donc, l'idée, c'est de refaire que dans une société comme la société française, les enfants reprennent l'habitude de se parler, de jouer ensemble, d'interagir physiquement les uns avec les autres, sans forcément toujours passer par un écran, surtout quand ils sont petits. Donc, le portable, là je ne parle que du portable, l'usage un peu systématique qui a été fait dans les cours de récréation, c'est ça qui a motivé qu'on ne légifère pas à la volonté de légiférer dans l'absolu. Bien évidemment, quand on légifère, parce que c'est mieux d'accompagner et d'expliquer. Donc on a tout un encadrement pédagogique avec le renforcement de la formation des enseignants. Je ne vais pas dessus, mais je pourrais répondre aux questions. Hein. Et puis l'élaboration de guides, là aussi, ce qui a été présenté par mes deux collègues, hein, c'est très intéressant, des vademécums, des guides pour donner des indications, des éléments de réflexion. Donc on a un vademécum, bien sûr, qui a été fait pour l'interdiction du portable. Facile à faire passer quand même, ni auprès des élèves, ni auprès des parents. Donc on a un petit vademécum pour expliquer. On a aussi un guide élaboré par qui est le conseil qui s'intéresse aux usages du numérique, des fiches dans la mallette des parents, une mallette qui est destinée aux parents dans laquelle on met des fiches. Le guide des projets pédagogiques, en fait je ne vais pas rentrer dans tous les projets qu'on a développés pour accompagner justement ça a été relativement important. Et puis je voudrais finir, après je réponds à vos questions s'il y en a, sur ce que je disais au début, c'est-à-dire soutenir la recherche et favoriser le transfert des résultats de la recherche dans les pratiques enseignantes. Et ça, d'ailleurs, les deux démonstrations de mon collègue étaient très claires là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que ce monde-là est un monde clos et qu'il ne faut pas s'y intéresser, avoir une confiance avec une vraie conscience dans les progrès, dans l'usage des technologies, on l'a dit. Moi j'étais professeur d'histoire, aussi j'étais professeur d'histoire. Maintenant, je n'enseignerai pas de la même façon. Enfin, les choses seraient très différentes, forcément. Mais ça n'empêcherait pas de continuer à enseigner l'histoire. Mais je l'enseignerai d'une autre façon. C'est ce que vous disiez très bien, c'est un moyen qui permet de mieux enseigner. Et puis de toute façon aussi un objet qui est extérieur à l'élève et qui doit apprendre à comprendre et à appréhender. Donc nous avons désormais un conseil scientifique qui est présidé par un spécialiste des neurosciences qui est de renommée mondiale, qui n'est pas français d'ailleurs, qui est belge, qui est d'origine belge, qui s'appelle Stanislas Dehaene, et qui permet d'éclairer toutes les décisions du ministre sous un angle justement scientifique.
Voilà. Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais je suis prêt à répondre aux questions, notamment sur tout ce qui touche à l'information des enseignants. Bueno, pues tenemos 25 minutos para las preguntas. ¿Me vais a permitir? Porque me quedaba ahí con una duda que estoy ahí dándole vueltas cuando has comentado el proyecto de Smart School. Hablabas de la brecha digital. Puedes estar en una brecha digital por estar en una zona desfavorecida, por tener pocos recursos o por tener unas capacidades intelectuales diferentes, y de allá me pongo mi gorro de la fundación. ¿Qué proyectos, si tenéis algún proyecto, cómo integráis a las personas con discapacidad intelectual, con capacidades diferentes? Digo porque nosotros trabajamos mucho con personas con autismo, que además son personas especialmente dotadas para trabajar la informática. Estamos trabajando en proyectos de adaptar, por ejemplo, Scratch a las personas con autismo. ¿Qué proyectos tenéis para personas con discapacidad? Pues en el TEC no tenemos ningún proyecto específico para trabajar exclusivamente con personas con discapacidad, pero la atención a la diversidad es uno de los pilares en los que se basa la formación que ofrecemos desde el INTEC para el profesorado y desde luego todos los proyectos con los que trabajamos. Por tanto, en todos los cursos que ofrecemos al profesorado, la atención a la diversidad para trabajar con personas con diversidad funcional y con distintas posibilidades es una máxima para nosotros, desde luego. Pero no tenemos un programa específico para ello. Vale. Muy bien, pues damos paso al debate entonces. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Yo voy a hacer la primera pregunta. Yo soy una primaria de cooperación educativa, por eso claro, ese tema me interesa. ¿Yo se oye? Sí. Yo quería saber en el tema del INDEF, el trabajo que haces para ayudar a los profes a trabajar. En este tema de e-training, por ejemplo, se desarrollaron proyectos de creación de materiales para los docentes, e-training sobre este tema de nuevas tecnologías, de utilización de pantallas, que proyectos que después se propusieron a otros colegios o institutos. ¿Puedes dar ejemplos de este tipo de proyectos que se desarrollaron a nivel europeo? Es decir, mi pregunta es, ¿el hecho de trabajar juntos en Europa a través de ITNIN cambia algo en la producción de materiales? Lo que ofrece eTwinning a los docentes participantes es abrir las puertas del aula y que los alumnos aprendan no solo en su escuela, sino que aprendan en colaboración con otros estudiantes. Proyectos de eTwinning hay centenares de miles, entonces, bueno, o sea, hay de todos los tipos, ¿no? El proyecto más común es que se identifica un tema, el que sea, un tema que interesa a varias escuelas de diferentes países y de manera colaborativa trabajan en él. Trabajan creando materiales, creando vídeos, creando en colaboración los estudiantes de diferentes escuelas. ¿Qué es lo que nos dicen los docentes que participan en estos proyectos? Que se transforma el ambiente de la clase. Se transforma completamente. Los alumnos adquieren una sensación de que el aprendizaje no es algo que pasa en su escuela, es algo que lo suena el timbre y cierran y se va a su casa, termina, sino que es algo que permea a todo su día a día, ¿no? Y bueno, el número de docentes que participan en eTwinning cada año está creciendo de un modo exponencial. Ahí hemos llegado en España, hemos llegado cerca del 50% de las escuelas españolas ha participado en algún proyecto de eTwinning. O sea que estamos muy contentos por cómo ha evolucionado el proyecto, pero queremos que llegue a muchas más. Y un factor clave, lo mencionaba antes en la presentación, es que no solo creemos que el aprendizaje mejora y se obtienen mejores resultados, no solo creemos que se trabaja más competencia lingüística al trabajar con estudiantes de distintos países, sino que además los estudiantes adquieren una comprensión de otras culturas. Esto es algo muy importante. Lo mencionaba al principio, que se está abriendo la posibilidad a países que no son europeos también de participar en proyectos de clima,
precisamente buscando este objetivo, que los estudiantes europeos conozcan otras culturas, se entiendan, comprendan diferentes costumbres. No sé si han contestado toda tu pregunta. Bueno, pues soy Julián Serrano, soy de la Federación de Profesores de Francés, pero hablo en tanto que formador y profesor de una universidad. Me parece que hay una palabra clave que ha pronunciado Abetiri, de que es la transferencia. Se están haciendo muchas cosas, se están haciendo muchas cosas en empresas, se están haciendo muchas cosas en institutos, se están haciendo muchas cosas en universidades, pero me parece que falla la transferencia entre todas esas investigaciones, que no dejan de ser eso, experimentos individuales, aislados, de determinadas escuelas. Sí, 50% han participado aquí y allá, efectivamente, haciendo su camino, descubriendo su camino, muy solos, muchas veces, aunque efectivamente la herramienta ITWIN es una de las mejores que se han concebido. Pero me parece fundamental que, y no se está consiguiendo, esa coordinación de esfuerzos que comunique los esfuerzos de institutos de investigación, empresas, con las universidades y la formación de profesores, tanto en formación inicial como en formación continua. No se está haciendo. Y la formación llega realmente a los centros pues por la voluntad de los profesores, que dan esfuerzos, que dan tiempo y que dan muchas ganas, pero no se está coordinando suficientemente esos esfuerzos y no se está haciendo el trabajo de transferencia adecuado. Parece que debería centrarse mucho en esa coordinación, justamente. Bueno, no estoy de acuerdo. Y es bueno, tiene que haber debate. Te voy a poner un ejemplo de pensamiento computacional, que es la línea de trabajo que yo lidero en el ITER. Entonces, llevamos un año trabajando, un grupo de trabajo formado por el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, 14 comunidades autónomas, empresas que desarrollan acciones pioneras en este campo, como Microsoft, BQ, Everis, Telefónica, algunas otras, centros de investigación, la Sociedad Científica e Informática de España, tres universidades, la de Girona, la de Juan Carlos y la UNED, y asociaciones de profesores. Y hemos estado un año trabajando en marcar las pautas, identificar lagunas en la formación del profesorado y coordinando esfuerzos, en definitiva, para impulsar en una misma línea el pensamiento computacional en la educación. Esto es un ejemplo que yo creo que pone manifiesto que sí existe transferencia desde el ámbito educativo al empresarial y en la otra dirección, etcétera, y en la sociedad. Y con respecto a la coordinación entre comunidades autónomas para la formación, que mencionabas también, pues el ITER lidera un grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo de formación del profesorado, en el que participan todas las comunidades autónomas y en el que se trata de coordinar la formación que se ofrece para esfuerzos, para que si el ITER, por ejemplo, desarrolla un curso sobre pensamiento computacional, lo ponga a disposición del resto de comunidades autónomas y pueda ofrecerlo a todos sus profesores. Es decir, que sí existen mecanismos para coordinarnos, trabajar y evitar duplicar esfuerzos, ¿no? Y todos en la misma línea. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Le titre « Enfants et écrans, responsabilité des filles », nous voyons une entreprise comme Orange s'impliquer, nous voyons les pouvoirs publics s'impliquer, nous voyons l'éducation s'impliquer. Lorsqu'avait été mise en place justement cette interdiction des portables à l'école, j'ai suivi ça à travers la presse, et j'avais été choqué d'entendre une mère de famille interroger et dire « Oui, c'est très bien qu'on interdise à mes enfants le portable à l'école. » Ma question à moi c'était « Et pourquoi tu ne leur interdis pas toi ?» Je veux dire, on n'a pas parlé ici des parents, on les a vus un peu largués,
Et bon, bah, comme ils sont un peu largués, on prend les rênes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail fondamental à faire de ce côté-là? Merci. Alors moi, je suis évidemment tout à fait d'accord, et le ministère aussi. La chose, c'est que d'abord, en tout cas en France, le ministère s'intéresse d'abord à l'établissement scolaire et au public scolaire quand il est dans le cadre scolaire. Mais effectivement, et c'est ce que j'ai rapidement évoqué, le travail avec les familles est très important. Alors nous, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le monde, d'instruments pour accompagner les familles, donc cette fameuse mallette, dans lesquelles on a commencé à introduire la réflexion sur justement les usages du numérique. Mais il va de soi aussi que tout ça a des limites, on ne peut pas s'introduire dans les familles, et il n'est pas de la responsabilité de notre ministère après d'aller à l'intérieur de ce qui se passe dans les maisons. Je dirais, mais c'est aussi une façon plus ou moins habile de retourner la question, que comme l'a très bien dit notre collègue et ami, c'est que finalement les enfants sont beaucoup plus en avance que les parents sur ces sujets-là. Et que d'une certaine façon, en éduquant les enfants, on éduque aussi pas mal les parents à ricocher. Et que donc éduquer les enfants, c'est aussi apporter des bonnes pratiques dans les maisons, dans les familles, et c'est aussi une façon de développer de nouveaux usages, parce que précisément, les enfants sont beaucoup plus réactifs sur ce genre de sujet. Alors, ça ne répond pas complètement à la question, mais il va de soi qu'effectivement, il faut parler aussi avec les parents. Peut-être juste aussi dire un mot d'e-twinning, parce que de notre côté, c'est très important. E-twinning, c'est quand on était petit, on écrivait des lettres à des correspondants qui étaient plus ou moins loin. Maintenant, on a e-twinning, et ça, c'est un progrès, parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ça permet aussi de préparer la mobilité plus tard, pour des parents, pour ne pas tout de suite bouger, ça permet de préparer la mobilité. Et donc, c'est un très très bel outil, peut-être pas assez connu, justement de lien avec l'instrument européen qui est extrêmement important. Je suis absolument d'accord en que, en les casas de la. Hola, soy Fernando Pavón, del Instituto de Innovación en Negocios Educativos. Quería preguntaros, porque hemos estado hablando de los padres, y me gustaría ahora preguntaros por los profesores y sobre su papel, tanto en el uso responsable de la tecnología como de su propia competencia digital docente. Y en concreto, tanto en España como en Francia, ¿qué cosas están haciendo para que los profesores estén capacitados a la hora de educar a los alumnos en el uso responsable de la tecnología? Porque parece como que prohibir el uso de dispositivos en el colegio es parte de la solución, pero hay que enseñar a usarlos, y yo creo que no todo debe estar del lado de los padres. Quería preguntaros sobre medidas. Y luego sobre la propia competencia digital de los profesores, tanto de los profesores actuales como de los futuros, y qué se está haciendo o se va a hacer desde España y desde Francia en la aplicación del marco común de la competencia digital docente del Parlamento Europeo. La question, c'est celle vraiment de la formation des enseignants, j'ai bien compris. Alors, déjà, il y a deux choses. Quand on parle du numérique et de l'éducation, il y a à la fois l'éducation par le numérique et l'éducation au numérique. C'est-à-dire qu'il faut former les enseignants à utiliser correctement le numérique pour optimiser leur enseignement. Et puis, par ailleurs, il y a l'objet numérique qui dépasse très largement les écrans, hein, qui est vraiment l'ensemble des nouvelles technologies. Et il y a ce nouveau champ sur lequel il faut former les enseignants à expliquer aux élèves comment traiter cette évolution-là. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, mais nous, il se trouve qu'en France, on a auprès de chaque recteur, France est divisée en rectorat, et auprès de chaque recteur, il y a ce qu'on appelle des DAN. Des délégués académiques au numérique, pas aussi sous contrôle de mes collègues qui peuvent me contredire, mais donc en fait dans chaque académie il y a un conseiller spécial du recteur qui n'est chargé que du numérique et qui agit sur ce champ-là
aussi bien s'agissant de la formation des enseignants que des usages, et qui est très près, qui n'est pas au ministère, hein, alors, il y a une direction du numérique éducatif au ministère de l'Éducation nationale française qui n'est pas ancien, qui est très récent, qui a 4-5 ans. Donc on a une vraie direction, mais c'est surtout dans les rectorats que cela se passe, avec ces conseillers directeurs qui sont chargés que de ça. Ils ne s'occupent que du numérique. Alors en France, on va, c'est certain, je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que en fait, tous les programmes, toute la formation des enseignants est en train d'être rebattue, et c'est encore assez confidentiel, mais les usages du numérique, et le numérique va tenir une place très importante dans la formation des enseignants, et puis dans les programmes. C'est-à-dire que les programmes vont être complètement rénovés et il va y avoir des enseignements numériques. Se pose la question tout de suite, et on est en plein dedans, hein, c'est qui va enseigner ces disciplines. Et selon qu'on place la discipline plus du côté scientifique, on va avoir plutôt des scientifiques. Si on le place plutôt du côté sociologique, puisqu'on va aussi introduire des enseignements un peu plus larges, on va se retrouver avec des gens qui sont plutôt du côté de la sociologie. Enfin, tout ça pour dire que nous sommes au début, vraiment au début, hein, et de la forme, enfin de l'introduction de tous ces usages dans l'enseignement, mais que, c'est peut-être le côté rassurant, en tout cas le côté français, mais je comprends aussi un peu partout, on en a bien pris conscience. Et il suffit de voir aussi ce que font nos amis espagnols pour voir qu'on a bien pris conscience de l'enjeu que ça représente. Dire quelque chose, juste nous on s'est rendu compte chez Orange, alors du côté de la prévention, pas de la formation, alors effectivement sur la formation des professeurs on a effectivement un super codeur qui est une formation en Scratch qu'on suivit aussi aux professeurs donc qui était destinée aux élèves et qu'on suivit aussi les professeurs dans les écoles. Donc ça, on l'a mis en place. Donc ça, c'est vraiment la formation aux technologies. Et après, dans la prévention, on a travaillé avec des psychologues, et les psychologues aussi travaillent tout seuls, mais de plus en plus, les professeurs demandent des interventions externes pour qu'on les... En France, hein, je parle de la France, pour qu'on les forme aux usages. Parce qu'effectivement... ils se rendent compte que les enfants jouent beaucoup, c'est surtout les jeux qui leur posent un souci. Les classes, les enfants parlent de plus en plus fort, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais et puis ils ne parlent que de leurs jeux pendant les cours, dès qu'il y a le prof à le tourner. Donc eux, en tout cas pour la prévention aux usages, je sais qu'en France, il y a de plus en plus d'interventions de psychologues ou d'associations, et en France par exemple, qui a un relais d'une association européenne, ils demandent de plus en plus d'aide. Alors, ce n'est pas forcément fait par le ministère, mais je sais que par contre, ils ont des subventions du ministère pour ce type d'intervention. Voilà. Solo para añadir, y ya que preguntabas directamente por el marco común de competencia digital del ciudadano, en el ITER en el año 2013 se puso un grupo de trabajo, como el que mencionaba antes, para el pensamiento computacional, pues en la misma línea, en la que participan universidades, empresas, centros de investigación, asociaciones de docentes. Se puso en marcha en el año 2013 para definir el marco común de competencia digital del docente. Se ha publicado, está publicado y disponible en Internet, y sirve de guía para marcar un poco las líneas de formación del propio ITER, pero también de las comunidades autónomas, en relación a la competencia digital. Se ha desarrollado también una herramienta, que es el portfolio de la competencia digital docente, de manera que los docentes pueden darse de alta en la plataforma, subir evidencias de su trabajo con respecto a trabajos digitales y recibir una evaluación de su competencia digital docente. Y asimismo, reciben recomendaciones de itinerarios formativos para seguir adquiriendo diferentes dimensiones de esta competencia digital docente. Es decir, que tenemos, bueno, estamos muy concienciados con este tema y ofrecemos múltiples y variadas modalidades de formación y herramientas que ayudan a los docentes a seguir mejorando y desarrollando esta competencia digital. Y al mismo tiempo, las universidades que participan en este grupo de trabajo están también modificando sus programas formativos para que los docentes que están ahora estudiando, pero que van a incorporarse al mundo laboral en
pues alguien de preparado a esta universidad. Hola, buenas tardes. Gracias por todas estas informaciones. Me he dado cuenta de que se ha hecho hincapié mucho en la educación, en la bondad de la tecnología y de los beneficios que puede aportar. Pero hay una laguna que no he oído y que me parece básica, y es, me gustaría saber qué repercusión tiene esto en la salud de los niños. No solo salud física, porque los traumatólogos han visto que se está perdiendo la movilidad de los dedos y en algunos casos es irrecuperable, sino desde el punto de vista de su crecimiento como persona, hasta qué punto no afecta a su yo y al desarrollo de su personalidad adecuadamente. Porque si se pierde la motilidad, si se pierde la capacidad de moverse, si se pierde la capacidad de relacionarse con los demás a través de tête-à-tête, no solamente con los móviles, estamos haciendo una especie de seres humanos que se deshumanizan. Entonces, bueno, esa parte de salud, que me parece básica, no solamente física, sino psíquica y completa, quería saber cómo lo manejan y cómo, si lo tienen en cuenta. Alors, je vais essayer de répondre, je ne suis pas psychologue, donc je me fais le relais de ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. Donc effectivement, nous on a des cliniciens, enfin des psychologues cliniciens qui se sont inquiétés en France parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que les enfants qui passaient, les petits en bas âge, qui passaient beaucoup de temps sur le téléphone, arrivaient en crèche ou à l'école maternelle, ne sachant pas bien parler, ne sachant pas le regard des adultes, ne sachant pas tenir un objet, parce qu'effectivement, en bas âge, l'enfant, pour se développer dans son évolution, non, je ne suis pas psychologue, hein, donc, mais dans son évolution normale, il a besoin, quand il est petit, de regarder ses parents, de les entendre, de fixer le regard avec eux. Pour apprendre à parler, il a besoin de voir leurs lèvres bouger, d'associer un sentiment ou une sensation à ce qu'ils disent. Et effectivement, les nouvelles technologies ne le donnent pas, et le fait effectivement de toucher avec le doigt ne développe pas le toucher qui est très très important à cet âge-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est récupérable, contrairement à ce que vous avez dit. Donc effectivement, ils arrivent avec un niveau de croissance, je dirais, qui n'est pas du tout celui qui correspond à leur âge. Donc ils ont beaucoup de retard, mais c'est récupérable. Et c'est pour ça que chez Orange, bon, on n'est pas les seuls opérateurs, hein, mais on insiste beaucoup sur l'évolution, et on travaille avec l'évolution de l'enfant, parce qu'effectivement, quand ils sont tout petits, ils n'ont pas besoin d'écran. Ils ont vraiment besoin d'apprendre à expérimenter les objets, et surtout à sentir, à apprendre à... On parlait tout à l'heure du fait qu'ils n'avaient peut-être pas forcément d'empathie, les enfants de notre époque, parce que l'écran ne leur donne pas cette empathie. L'empathie, elle s'apprend avec l'expérience, avec l'humain. Elle ne s'apprend pas à travers une tablette. Quand quelqu'un est triste, on vient le consoler. Donc, toute cette expérience, elle s'apprend. Et alors, il y a des âges, c'est-à-dire qu'à 12 ans, 13 ans, on est formé, ça y est, on a appris quand même pas mal de choses. Mais avant, il faut suivre vraiment pour les écrans, enfin, c'est ce que disent les psychologues, l'âge et l'évolution. On ne peut pas faire un amalgame, on ne peut pas donner le téléphone. Quand on a une fratrie, d'ailleurs, parfois c'est compliqué, hein, parce que l'enfant de 4 ans, il va demander le téléphone parce qu'il voit son frère ou sa sœur de 12 ans jouer. Mais il faut vraiment résister, c'est super compliqué. Mais effectivement, il faut respecter l'évolution de l'enfant, parce que sinon on passe à côté de pas mal de choses qui sont récupérables, mais
qui ont fait un petit gap au début, un petit espace au début. Voilà. Mais il y a pas mal d'études, il y a une étude internationale qu'on suit de près qui va sortir, qui s'appelle SCAMP, S-C-A-M-P, qui est faite par le British College, Imperial College of London, et qui est en train de faire toute une étude pour voir les effets cognitifs et d'utilisation et les mettre en rapport en fonction de l'âge. Parce que vous voyez, c'est des psychologues cliniciens, donc il n'y a pas d'études encore globales, il n'y a pas d'études épidémiologiques qui a été faite encore, mais on attend les études. Mais effectivement, un point très très important, c'est accompagner l'enfant en fonction de son âge. Mais après, ça peut donner des choses magnifiques, hein, je crois, l'expérience, l'innovation, c'est fantastique, mais pas trop tôt. Juste pour dire que là aussi, effectivement, on en est au début. On n'a pas forcément beaucoup de recul sur les effets. Mais moi, j'avais lu aussi des études sur le fait que... Alors, vous savez que certains pays ont opté pour directement l'apprentissage de la langue sur des écrans et plus par l'apprentissage de l'écriture à la main. Et que, par exemple, là, on n'a pas de recul non plus, mais ne pas utiliser sa main pour écrire, c'est ne pas utiliser sa main pour plein d'autres choses. Donc, et je parle encore d'enfants petits. Donc, effectivement, on en est au début et ce sera très intéressant de suivre les conclusions des scientifiques et de la recherche sur ces sujets-là. Alors, quand même, dans les situations les plus extrêmes, dans les établissements scolaires français, mais j'imagine que c'est partout dans le monde pareil, on a quand même une médecine scolaire, on a des conseils d'orientation, des professeurs, dès qu'il y a vraiment des risques en termes de conduite addictive, c'est-à-dire notamment chez les plus grands, là, normalement, lance des signaux, c'est-à-dire qu'effectivement, un enfant ou un adolescent qui est toujours enfermé dans son monde et qui... ou ne mange plus, ou mange trop, ou mange mal, prend du poids, se désocialise, tout ce qui touche à la désocialisation de l'élève dans l'établissement, à cause des jeux ou à cause de l'écran, parce que très vite on est concentré, enfin tout ce qui est addiction, et il n'y a pas que les écrans, ça de toute façon normalement les enseignants et puis les infirmières, la médecine scolaire, on essaie de repérer ce genre de choses quand même, et c'est pas seulement pour les écrans, mais ça c'est pour les plus grands. Ça arrive, c'est pas si fréquent, il y a même des cures de désintoxication des écrans, justement pour apprendre à ne pas être comme ça dépendant de l'écran. C'est vrai que des fois, même chez les adultes, hein, on se lève le matin et la première chose qu'on fait, c'est d'aller regarder son portable. Donc là aussi, il y a un côté exemplaire. Non, on peut de formación y sensibilización a los padres y madres de familia. Las tecnologías han venido para quedarse. Tenemos que educar a nuestros niños y niñas para que sepan utilizarlas de forma responsable. En el colegio, en las escuelas, por supuesto, que les enseñan y se está dotando a los docentes de la formación necesaria, pero es más difícil llegar a los padres y madres. Por lo tanto, esta iniciativa que tiene Orange la valoramos muy, muy positivamente. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo quería preguntaros si os habéis planteado alguna vez o alguien se ha planteado alguna vez la posibilidad de, igual que un chaval, un menor de edad, no puede entrar a un centro de apuestas, de juegos, o no puede teóricamente comprar alcohol, porque puede acceder a toda esta información abiertamente, es decir, los padres, los profesores, podemos educar, podemos aconsejar, podemos lo que queráis, pero siempre el chaval puede acceder a través del móvil de un compañero o lo que sea, es decir, la información está ahí, ilimitada, de consumo ilimitado, y nadie hace nada, nadie, no sé si no se puede, no se atreven, hay muchos intereses comerciales,
nadie hace nada. Yo creo que no es cuestión de vetar, pero sí que hay contenidos claramente que deberían estar prohibidos a ciertas edades. Gracias. Alors, chez Orange en Pologne, ils font des cartes SIM spéciales enfants. C'est-à-dire que c'est des cartes SIM qui sont à la base organisées pour ne pas aller sur certains sites, pour ne pas aller sur certaines applications. Donc ça, ils l'ont fait en Pologne. On y a pensé en France, mais en France, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le droit de vendre des téléphones à des enfants de moins de 14 ans. Donc, on ne peut pas vendre donc, des cartes SIM aux enfants. C'est les parents qui demandent des cartes SIM pour leurs enfants. Donc, on ne pourrait pas créer des cartes SIM spéciales comme ça. Donc après, effectivement, nous, on a mis des outils pour aider les parents, on a mis des outils, des contrôles parentaux, mais c'est aux parents aujourd'hui de faire la démarche sur sa Livebox pour interdire telle ou telle application, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'à 90% de vos enfants, ils jouent via la Livebox, hein, pas via... la 3G ou la 4G, la plupart du temps, on prend un forfait qui marche principalement avec le Wi-Fi. Effectivement, aujourd'hui, il faut que le parent se prenne aussi un peu en main, mais il n'y a que l'information qui pourra l'aider. J'ai trouvé l'exemple de la Pologne où, effectivement, ils ont le droit de vendre des téléphones aux enfants, de faire une carte puce spéciale pour les enfants. Je trouvais ça assez intelligent, si le pays le permet. Muy bien, pues estamos fuera de tiempo, así que para mí es un placer estar compartiendo con vosotros. Gracias a los tres y muchas gracias a todos.